Chapitre 170 de Jujutsu Kaisen. Megumi s'est séparé de Takaba pour affronter en 1 contre 1 Registar. Megumi est blessé et n'a plus rien à faire dans sa colonie, alors il doit finir ce combat au plus vite. Mais l'adversaire nous cache encore bien des choses. Le combat entre Megumi et Registar va alors commencer et c'est le début de ce chapitre, chapitre 170. Megumi invoque directement un de ses plus gros Shikigami en invoquant l'éléphant pour attaquer Registar. Megumi a l'offensive et il attaque Reggie qui se contente pour le moment d'esquiver beaucoup des attaques de Shikigami redoutable de Megumi qui démontre sa puissance et sa capacité d'invocation. Reggie fait appel à un de ses sorts qui semble être une sorte de reproduction d'objets à partir d'un contrat qu'il reproduirait. Il parvient alors à démultiplier des objets et l'applique sur des couteaux par exemple qu'il envoie en nombre sur Megumi. Reggie se rend compte de l'intelligence de Megumi et remarque qu'il connaît sa technique maudite. La technique de Reggie, en fait, elle démultiplie le contenu d'un reçu selon Megumi qui ne comprend pas tout parfaitement mais semble se faire une idée, comme souvent d'ailleurs. Reggie le confirme, c'est assez dur de décrire et d'expliquer son sort car il est assez complexe et perplexe. Encore une fois, Akutami démontre que son système de pouvoir est très vaste, très riche, complet et précis et qu'il offre ainsi une multitude de possibilités et de variétés de pouvoirs pour ses personnages, ce qui renforce le système et la variété de pouvoirs au sein de l'œuvre. Selon Reggie, c'est plus précisément une reproduction d'un contrat. Reggie en fait fera remarquer les différents usages possibles de sa technique et signalera que son corps est aussi en pleine forme car il sort d'un séjour dans une auberge étoilée avec traitement à l'huile, séjour bien-être, eau chaude, etc. Il est donc reposé, tandis que Megumi, lui, est assez blessé. Et donc on a une différence d'état, et Reggie remarque que Megumi ne peut plus invoquer le chien, car il est blessé, et donc ne peut attaquer, défendre en même temps. Megumi doit donc utiliser des combinaisons de Shikigami qui n'ont qu'un seul talent, pour s'en prendre à Reggie, ce qui le fatigue d'ailleurs encore plus avec ses blessures et qui démontre l'écart d'état entre les deux personnages qui pourrait creuser la différence de niveau sur ce combat. Reggie met d'ailleurs en difficulté Megumi à cause de cela. Megumi décide donc de s'enfuir, mais Reggie ne le laissera pas et va le poursuivre ainsi. Megumi se rend dans une sorte de gymnase, sûrement pour piéger Reggie, mais Reggie il se doute qu'il essaye de l'attirer. Il pourrait le faire sortir de force, mais ce n'est pas la bonne solution. Alors, Reggie va rejoindre Megumi dans le gymnase et peut-être finalement se jeter dans la gueule du loup. Reggie insultera d'ailleurs Megumi et le prend de haut. Il l'attaquera en invoquant plusieurs camions dus à son sort de reproduction. Reggie fera diversion grâce à ceci et frappera Megumi à la tête, l'enchaînera de coups et le plantera même au bras à l'aide d'un couteau et le met dans un sale état. Ici, on voit la puissance de Reggie qui réside dans la stratégie, l'usure et la manipulation confirmée de son sort qui est d'ailleurs très intéressante et agréable à observer. Il leurre son adversaire, l'épuise, le frappe douloureusement à l'aide de ruses et de ses sorts. Et cela fait la force de Reggie qui est finalement un adversaire vraiment redoutable. Selon Reggie, c'est une guerre à l'usure où aucun des deux n'a de technique réellement puissante. Et là, Reggie fera malheureusement erreur, erreur qui risque de coûter cher. Les objets reproduits par Reggie sont comme des Shikigami et il peut leur accorder des commandes simples comme faire voler les couteaux par exemple. Reggie, debout face à un Megumi blessé en sale état, proposera une mort sans douleur à Megumi en l'échange de ses points. Reggie semble donc être sûr d'avoir gagné. Cependant, Megumi Fushiguro, fils de Toji Fushiguro, chef du clan Zenin et personnage charismatique et puissant de l'œuvre, ne peut pas perdre contre Reggie Star et doit sauver Tsumiki, peu importe le prix. Megumi a du mal à saisir la sensation d'un espace réel et d'un espace artificiel et il a du mal à les superposer. Il a donc du mal à créer une dimension artificielle dans une réalité trop différente car il n'arrive pas à superposer en fait les deux. C'est une question d'échelle. Megumi s'est alors rendu dans le gymnase pour avoir une échelle similaire et transformer ainsi cet espace qu'est le gymnase en territoire. Et là, nous y sommes, vous l'avez compris, Megumi Fushiguro utilise l'extension du territoire, la technique ultime de l'exorcisme, le jardin des ombres chimères, et Reggie ne comprend pas comment il peut être aussi puissant et utiliser une technique aussi puissante, et là il est totalement abasourdi. Megumi lui lance son extension du territoire et n'a jamais dit qu'il ne possédait pas de technique puissante en réponse à Reggie. Reggie comprend alors que Megumi n'est pas de son niveau et qu'il est dans de beaux draps. Megumi, lui, envoie sa technique ultime pour en finir et quitter cette colonie. On a le droit à l'extension de territoire de Megumi, quel master. Fin de ce chapitre de Fou Furieux, enfin, on a l'extension du territoire assez complète de Megumi qu'on n'avait pas eu depuis un moment. Il a bien progressé, c'est le moment pour Megumi d'en finir et de vaincre Registar pour pouvoir passer à autre chose. Registar a démontré sa force et sa ruse et c'est un adversaire redoutable qui aura mis en difficulté Megumi, qui était blessé mais qui avait encore un atout dans sa manche. Quel chapitre de fou, j'espère que t'as kiffé. On se dit à très bientôt pour le prochain chapitre qui devrait être encore plus fou et on pourra observer l'extension du territoire de Megumi plus en détail. Pour suivre cela avec nous, abonne-toi, like, commente, n'hésite pas à me follow sur Twitter pour parler du chapitre Satoru Kaiza. On se dit à très bientôt, c'était Kaiza, ciao.